le moindre petit trou dans la paroi et c'est dramatique pour les cosmonautes. Non seulement il n'y a plus d'air, mais même avec un masque à oxygène, ils ne s'en sortent pas. Approchez. Notre corps contient de l'air, nos poumons en particulier. S'il n'y a plus d'air autour des cosmonautes, il n'y a plus de pression et l'air dans les poumons va se détendre. Le cosmonaute va gonfler, gonfler, gonfler. Je ne vous raconte pas la fin. Et ce n'est pas tout. Notre corps est principalement constitué d'eau. Cette eau demeure à l'état liquide parce qu'elle est sous pression. Mais si on fait le vide, s'il n'y a plus d'air, eh bien regardez, l'eau s'évapore, elle bout. Concrètement, si un cosmonaute se retrouve dans le vide, eh bien il va littéralement se dessécher. Il faut donc faire attention à bien fermer la porte.